Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hello le monde, voilà, alors juste une petite vidéo pour vous dire pourquoi je pars sur d'autres chemins. Toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant me viennent du cœur, sont vraiment postées en tant que telles et je ne regrette absolument rien du tout. Sauf que comme il y a déjà pas mal de gens, des lanceurs d'alerte qui font le même travail, mon mari m'a dit, écoute, il y a plein d'autres choses à lancer comme alerte. Il y a plein d'autres choses et les gens, ils ne sont pas forcément au courant. Donc voilà. Alors, avec sa collaboration, et je lui en remercie beaucoup, je vais donc lancer des alertes plus... Pas sur, sur le système, toujours, bien sûr, sur le système, mais... qui ne sont plus aussi, comment vous dirais-je, aussi captés sur le bien, le mal, puisque tout le monde les fait et que maintenant, c'est plus sur des gens importants qui ont travaillé pour nous, ou pas d'ailleurs, renforcer les personnes, soutenir les personnes qui... les lanceurs d'alerte qui ont fait des bonnes choses pour nous et qui ont lancé des alertes vraiment très importantes et qu'on n'est pas au courant parce que les médias nous cachent tout. Ou alors bah, mettre le point sur des gens que l'on croyait vraiment très 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 bien et qui au final bah, c'était qu'une apparence parce que derrière cette personne qui était très très bien et bah, se cachait quelqu'un de moi-même bien. Voilà. Donc juste pour vous dire, ne vous étonnez pas, je suis toujours dans la même, sur le même chemin. Je suis toujours sur le chemin de la liberté. Je suis toujours sur le chemin de quitter la matrice, mais maintenant je le ferai différemment en collaboration avec d'autres personnes qui me donnent des idées en fait. Et parce que des idées, il y en a plein, il y en a tellement, il y a tellement de choses à dénoncer que voilà. Alors je pense que avec ce que vous entendez déjà tous les jours, plus je vais pas vous dire que je suis une lanceuse d'alerte premier degré, non, mais plus les choses que vous pouvez apprendre ou réapprendre ou comprendre suite à ce que je vous dirai, peut-être pourriez-vous faire le lien, voyez-vous, peut-être pourriez-vous faire le lien, parce que ce que je vous apporte, c'est du concret à partir du moment où bah, c'est du matériel, c'est du concret, comme je vous dis, pour réussir à faire quelque chose, faut avoir un pied dans la matrice, histoire de voir quand même ce qui se passe. Moi je continue mon chemin spirituel, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre oui, je garde le chemin sur la matrice et mon mari lui bah, il m'aide à trouver des sujets vraiment captivants et importants pour faire réagir les gens. Voilà, le but c'est de faire réagir les gens et pas de leur faire du mal ni de leur faire peur, mais de leur faire comprendre qu'évidemment, il y a quelque chose, il y a vraiment des choses qui ne doivent pas être faites, et elles sont faites dans notre dos, sans qu'on le sache. Donc oui, ce qu'on vit au jour le jour, tout le monde peut le voir, si on veut ouvrir les yeux, tout le monde peut le voir, donc ceux qui le voient, c'est très bien, ceux qui ne le voient pas, bah tant pis. Et j'espère qu'avec mon petit plus, là je suis avec Edward Snowden, qui est vraiment quelqu'un... de formidable, hein, qui a vécu un enfer pour nous apporter un minimum d'informations. Et encore, il est vraiment, quand je vous dis un enfer, c'est vraiment un enfer, hein. Il a quand même passé 14 jours à Guantanamo sous Obama, alors que Guantanamo, Obama avait dû le fermer, hein. Ben, lui, il a passé 14 jours. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il faut que vous sachiez. Et peut-être que ça aidera certains d'entre vous à y voir plus clair et à ouvrir les yeux. Donc, je ne suis pas dans le tout de suite maintenant, je suis dans le ce qui se passe aux alentours. Voilà, dans le... voilà, c'est juste ça, c'est juste ça. J'élargis mon champ de vision. Voilà, c'est ça.
j'élargis mon champ de vision. Donc j'espère que mes vidéos vous intéresseront toujours autant. J'espère qu'il y aura toujours, que vous partagerez, parce que c'est vraiment très important, même si des fois c'est un peu rébarbatif, mais il est bon de le savoir. C'est bon de le savoir pour savoir vraiment où on en est. Et j'espère que ça intéressera beaucoup de monde et que vous serez là et que vous serez présent. Et que je ne ferai pas souvent de live, mais je ferai des vidéos, je ferai des lives comme ça, à l'improviste. Mais là, pendant les vacances, ça va être un peu compliqué avec les enfants à la maison, donc ça va être un peu compliqué. Donc je ferai des lives à l'improviste sur les sujets que je traite. Et j'espère que vous ne me laisserez pas. Ne m'abandonnez pas. Continuez à vous abonner. Au fait, je tenais à remercier aussi tous les gens qui se sont abonnés dernièrement à ma chaîne, parce que vraiment, je vous en remercie énormément, parce que ça peut aider beaucoup de gens, ça peut aider vraiment, vraiment du monde. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager, parce que c'est vraiment important. On vit un moment important de notre vie, là, sur Terre. On vit un moment important, il ne faut pas le négliger, même si certains ne le voient pas. Nous, on sait ce qu'il en est, on voit, et même si ne négligez pas ce moment important, hein, ne négligez pas. Voilà, pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir de notre planète, ne négligez pas. Donc je vous remercie d'avance, je remercie tous ceux qui se sont abonnés, je remercie... mon cher et tendre pour le coup de main qu'il me donne, du coup il m'aide. Je le remercie vraiment, et enfin il m'aide, il m'a toujours aidé, mais là c'est plus concret. Donc je vous en remercie tous, et continuez à partager. Je vous remercie beaucoup, bonne journée, à bientôt, bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's